ya bako. Batata ba mama balandi ya masolo ya équipe nationale mbote na mino ba ebozé belé bisika bozwami kolanda ka masolo tu yela kabino pe bayi bakende sango o bayaka na makama motuya bongo lelo penda to sepel tu yamba pona bino mwana mboka John Mbongi Kanzi wazili mo coordonnateur adjoint ya ensemble pour la république na ville province ya Kinshasa kasi a tali mingi mingi ba relation entre Ensemble pour la République, les alliés bongo parti monnaie na moi l'amboka Moïse Katumbi Tshiapwe, les alliés bongo ko s'occuper na ba relation na ba parti politique mususu pe na société civile. Tant on a lobby équipe nationale, tous alliés awa nandeko Zulu pe tous alliés mususu na Mama Africa na Masolo et Mpifo ayiko kita na lelo na Mama Solange ndeko John Mbongi topesi mbote. Mbote na yo Mama Sylvie. Mbote na ndeko Zulu pe mbote na mama Afrika. OK. Yambo to banda to pe sio ba félicitations pour ya solo ensemble pour la République ezali penza pépinière ya bato ya maele, bato ya bwanya kasi na kati wana tango mwana mboka Moïse Katumbi asali bongo aponi bongo bato pona ba tambwisa bongo ville province ya Kinshasa. Coordonnateur Zali Bongo Mwalamboka Francis Kalombo, mais bino yo elongo nandeko Daniel Safu député national Bokitani naye na Bokitani nandeko Francis Kalombo pour na ko kusala penza visibilité pe ko implanter bongo nani ensemble pour la République na ville Kinshasa. Est-ce que tâche ezali facile? Est-ce que ba pesi yo kaka parce que oza motozo bénéficier na moi avantage moko relationnel tous au mérité penza lokwa. Non, merci beaucoup maman, mais je voudrais d'abord na compléter liste. Honorable Francis Kalombo azali coordonnateur provincial. Daniel Safou honorable azali coordonnateur adjoint en charge de l'implantation et de l'idéologie du parti. Moi je suis coordonnateur adjoint en charge des relations avec les autres partis, mais au Bosanagiso na Kamitatu. La sénatrice Kamitatu, qui en réalité est coordonnatrice adjointe en charge des finances et de la logistique. Dire que ma pessingaï parce que Nazali qu'on profiter ou qu'on bénéficier na ba na relation na niveau et à ba décideur à parti, je ne pense pas. Parce que initiateur Nabisso, le président Moïse Katumbi, Azamuto a travaillé à Gaïe Mogote. Il prône toujours un travail participatif. Il associe tout le monde. Ayogarabatunyoso. Et c'est lui, avec son équipe, Ndebasalaki Casting. Il ne faut pas oublier que Bissonyoso, Touti n'a pas parti. Moi, j'étais secrétaire général adjoint. Il y a parti ARC, il y a Olivier Kamitatu. Et Koufate. Mais nous avons décidé, et même quand vous regardez le paysage politique, vous allez remarquer que nous sommes en train d'immigrer vers les grands ensembles. Et ARC, Naba Parti Moussoussou, PDC, nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller vers la construction d'un grand parti. Pour la ligne Togo Kendete, vers Parti Mougo Yamouné, Néo et Gozalan, ancrage Mougo National. Parce que ce que Taliba Parti Mingi, et Zalara Mingi, sur le plan sociologique, géographique, quand les leaders du Bandundu, vous verrez que. Parti on est en Makassi, na Bandundu, ce qui est leader en Équateur. Alors, comme nous avons un président qui a une autorité nationale, le président Moïse Katumbi, et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas mettre effort en abus ensemble, créer une synergie autour de son leadership pour Tomika, Koumema, Masolo et la politique. C'est comme cela que la composition O et Salamiga Gana Kinshasa dans le cadre et la coordination. Et Salami, Naba province Nyonso, mais nous, nous avons été le premier à lancer l'adhésion. Et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatu, ancien ministre, semaine passée, pas à la Guinée Bandundu, a lancé Parti Kuna, Nakatang Ape, camarade Abraham Ope a lancé. Donc nous sommes en train d'avancer petit à petit, mais beaucoup comme moi, parce que le travail que nous allons faire dans l'ombre, tôt ou tard, vous allez révéler dans le public pour montrer que le travail a été fait par des hommes qualifiés
Moïse Katumbi Adalo Wola coach, il connaît les compétences de chacun, il connaît les atouts de chacun. Il nous a mis ensemble pour former une équipe. Mais l'équipe, on les a formés pour un objectif, implanter le parti et exister dans le paysage politique congolais. Implanter parti, mais Gazo, c'est tout ébeli Moïse Katumbi, ou tout ébeli qui est en haut, Mboulo et l'équipe, dans la Kansezo Sila. Pour te dire que tant qu'on va ensemble pour la République et bandit Masolo na Kinshasa, tout le monde a peiné chaque jour dans siège de notre base tonda. Mais le lot qui nous a acquis si que à ne pas tout à la talanne peut côté Moussous. Est-ce que vous êtes conscient qu'il faut travailler ma casse pour ensemble pour la République peso et sika na côté à ma partie miné no Isaka déjà. Maman Sylvie, nous sommes un jeune parti. Tout ça dans quelques jours où quelques mois depuis parti Ezoaki agrément en Ango, mais en termes d'effectivité sur terrain, il y a quelques jours. Tikela Bisotan, le président Moïse Katumbi, c'est un stratège. Azo travaille pena bato baebi terrain. Honorable Francis Kalombo, c'est quelqu'un qui connaît très bien la réalité politique. Il y a Kinshasa. Tous autres travaillent ensemble. Ne vous en faites pas. Gaz Oyozo Lugaya, président Moïse Katumbi, je peux te rassurer que Aza totalement na gaz naé, mais à chaque moment correspond à un jeu. Donc pour le moment, tout ça na dynamique moussoussou, parce que nous allons, si tout va bien la semaine prochaine ou la semaine en 8, faire formation. Il y a un cadre Oyo Bazala qui est promu, parce que Eloko Yedaka, ba parti mingi dans la formation et idéologie à parti. Je ne fais pas la critique, il y a ma parti. On a un responsable qui ne connaît pas l'idéologie à parti Nabango. Et nous, nous avons préféré sortir un peu de cette réalité. C'est pour cela, semaine prochaine ou semaine en 8, na Lubumbashi, on va lancer ma formation, ma cadre, pour que bateau et bateau géré parti à niveau de ma province, base à la suffisamment outillé, équipé pour bien défendre l'image du parti. En termes idéologiques, en termes d'éthique, mais aussi en termes déontologiques. Donc nous allons travailler sur ces aspects-là. Et soyez-en sûrs, Tokoku Tanalisusu, Bogope Sangatorte Mama Sylvie. Voilà, Ndeko John, pour les Kinois, Ensemble pour la République, c'est plus le Haut-Katanga. Pour les Kinois, Bozokokapena, qu'on s'est installé à Kinshasa. Est-ce qu'avec cette équipe dirigeante, vous assurez que vous vendez ça ma solo na Kinshasa. Yami Balou tout en a comme ya Francis Kalombo. Kakabakina Balobi, ce n'est plus Francis Kalombo de 2006. Est-ce que vous kanak avec Francis Kalombo de vos ongles et des sous-sous à vous faire des ensembles na Kinshasa pour Nazarine Bakina Balobi, Francis Kalombo Asila. 2016 Francis Kalombo, mais 2018, 2020, 2021 Francis Kalombo Asila. Je préfère commencer par la deuxième question. Ndego Francis Kalombo a passé un temps important en exil. Il y a eu trois processus électoraux dans Mboka Oyo. Il y a Liboso Azalaga élu, il y a deuxième Azalaga réélu, troisième il n'a pas pu se présenter parce qu'il était en exil. Il est revenu. Na moni comment na fief na yafu na balingié, Monsieur Zulu, le kisa liso sous micro baladeur. Tu reviendras, tu me donneras raison. Par rapport à la première question, dire que est-ce que Togo Kuka parce que quand les Kinois voient ensemble, non, c'est mais, plus le Haut-Katanga. Non, mais non, ouais. Monsieur Zulu. Testé, Salamaki, et président Katumbi Ayaki, na consultation, quand le chef de l'État l'avait invité pour les consultations, à Tambola Banda Aéroport, ti Nandaku, Nandakunae. Mais tu as vu l'engouement. C'est un homme qui est aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Autant il est apprécié, autant il est aimé dans le Katanga. C'est vrai que Katanga Ezali, quand il est dans le Katanga, il est dans son élément parce qu'il est Katangais. Il a géré le Katanga pendant beaucoup d'années avec un bilan élogieux. Mais Kinoa Balingi et Mingi, vous n'avez pas idée. Et nous, d'ailleurs, pour nous, c'est un travail facile. Parce que quand on nous identifie à Moïse Katumbi, on nous ouvre grandement les portes. Ndeko Zulu. Tout ce lancé par adhésion à la partie, laissez-nous un peu de temps. Donc, on va faire une évaluation. Au groupe Sabiso raison. Ndeko John Bongi, Kokaokoloba, président Nabino, Moïse Katumbi, vous confirmez, vous lancez adhésion à la partie. Mais tu es bien malin que
pendant les élections, tout le monde a sangé, il y a un AMK, bon sang, des acquis, tout le bataille, il y a un mitano. Ils ont dit que c'est Moïse Katumbi. Le lot Oyo, vous lancez adhésion à partir de Nabino. Masanga, il y a qui va. Bon, Masanga, il y a qui coexister, mais nous avons préféré aller vers un grand ensemble, comme je l'ai dit. Ce sont des partis où ils coexistaient. Parce que ce sont des différents partis qui ont possédé par agrément à Bango et coexister. Mais nous avons voulu maintenant créer un parti qui aura un ancrage national par le leader que nous avons. Parti aux Alanango, mais nous allons plus travailler, converger sur Ensemble pour la République. Otunami Balé, Ensemble pour la République, vous allez former Nini Lelo au Essalikeur. Ensemble, ils se retrouvaient dans le gouvernement, alors que Toyebi que Moïse Katumbi, Azaïk Pena Lamouka, Azaïk réclamait vérité des urnes. Les lots vérité des urnes, ils ont été mis dans le gouvernement. Maman, Moïse Katumbi, Azaïk Pena Lamouka, Moïse Katumbi, Azaïk Pena Lamouka. Pardon, mais pour ça, la Lamouka n'est pas ce qu'ensemble, voilà, cinq membres dans le gouvernement. Où est-ce qu'il a fallu dans le la résistance. Il y a aussi une union sacrée. Vous avez clair dans la politique dans le Congo. Omoni Fayulu, Omoni Mozito. Baza bandeko ya Moïse Katumbi. Na émission la bisoto kabola bangote. Baza bandeko parce que bango. Bangonde va pondre ensemble la mouka. Nous avons répondu à l'invitation et à l'appel du chef de l'État qui nous a dit que le pays était malade. Il a fait un diagnostic. Il y a alliance naïe na FCC. Alobi pays est au vers dérive. A bengi ba partenaire, de nouveaux partenaires. Baya pour soutenir yé na initiative ya union sacrée. Et nous avons répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. Pourquoi? Parce que le pays était face à une menace. Entre ba intérêt personnel na biso ba individu. Il y a ba groupe politique na biso. N'a pas intérêt à Mboka, où ils ont engagé tout le Congolais. Qu'est-ce qui est primordial? Nous avons préféré répondre à l'invitation du chef de l'État pour essayer de l'aider à sauver la nation. Et Ertokei, non. Maman Sylvie, Ertokei, na Union Sacrée, nous avons apporté notre cahier des charges. Et il y a trois points qui reviennent dans le cahier des charges de Nabisso. La paix. Parce que nous estimons que la paix est un gage à développement. Deuxième point, au-delà de la paix, c'est le social de Congolais. Parce qu'on estime que la pauvreté au visité peuple Nabisso, c'est extrême. Nous avons dit, nous allons accompagner le chef de l'État sur la paix, sur le social de Congolais, mais aussi sur la bonne tenue des élections 2023. Ce sont les trois points qui se retrouvaient dans notre cahier des charges. Ce qu'on a dit trois points, est-ce que nous avons trahi la Mouka? Ce qu'on a dit trois points, est-ce que nous avons trahi les Congolais? Ce qu'on a dit trois points, nous avons trahi le Congo? Non, nous sommes restés constants. Et récompense, membre gouvernement. Non, on ne voit pas ça dans le terme de récompense. Nous ne sommes pas allés pour être récompensés. Nous sommes allés pour soutenir l'action du chef de l'État qui a fait appel à des forces politiques pour améliorer le Congo, améliorer le social de Congolais. Ce qui nous préoccupe, ils ont un intérêt personnel à bisauter, mais c'est l'avenir du Congo et le bien-être des Congolais. Donc c'est pour cela que tu répondais à Guy favorablement, on appelle la chef de l'État, n'a pas consultation. Mais dès qu'on en a, Moïse Katumazo joue faux jeu. Quand Augustin Kaboué a dit que bilan est que ça l'a partagé entre MLC, I2PES, Ensemble, na FCCT, na UNC, na ba Oyo ba Outi FCC baï. Moïse passe pour dire que non, bilan et que ça là, donc et que quoi on a mutu ya I2PES. Vous avez dit que Moïse a doublé, a joué double jeu. Ndekonangai, John. Le président Moïse, c'est quelqu'un de très sincère dans sa démarche, c'est quelqu'un de très honnête dans son engagement. Nous faisons partie de l'Union Sacrée, mais il faudrait savoir que nous sommes dans le gouvernement. Mais la responsabilité, nous avons un gouvernement, mais bon, il y a que responsabilité n'a biso, n'a gouvernement et cause à la paix au prorata
y a batache Nabisso. N'est-ce pas? Responsabilité Nabisso dans cette action gouvernementale sera au prorata de la responsabilité Nabisso. Tous en a 5 membres du gouvernement. Nous sommes en train de travailler pour que nos ministres soient les meilleurs, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux pour l'avancement du pays. D'ailleurs, c'est ce que vous ministre Nabisso dès lors que vous avez gouvernement. C'est vrai qu'il nous a. Ce sont des gens qui appartiennent à la formation politique Nabisso, mais une fois que vous êtes membre du gouvernement, vous cassez les liens avec vos partis pour essayer de servir le pays au niveau du gouvernement. Lélo, question directe. Hein. La relation entre président et Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, la président de la République, Ezan Dengeni. Ce sont des frères. Chaque fois Bakoutanara, il s'appelle frère. Système Ragamite. T'es, Bazaba frère. Ok. Ah. Pourquoi on a tenu boy? Parce que Lélo, Noël Tchani, Oazali Moko, ancien candidat, a initié Loko Moko sur verrouillage, il y a élection. Pour Moutoz à la candidat président de la République, Lambokao, et Sengeli Abotama, des pères et des mères congolais. Les loyaux, Bino Nangambona Bino, vous criez déjà la forme exclusion. Commentaire non par rapport à verrouillage et à la loi sur la congolité, on a aussi une salima, oh déjà, ils ont bimisé déjà leader en Bino non partant en 2023. Bon, Chani Aza. Monsieur Balobi est américain, Yemoura Lobi est congolais. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur ce qu'il fait. Parce que constitution et Mboka Oyo, où il a voté sur référendum en 2004, et releva qui bat point et belé. Et releva qui la gestion interne du pays, avec nos voisins, la question identitaire et la question des minorités. Et nous savons que c'est sur la question des minorités que les Banyamulenge, à un certain moment, ont revendiqué et ont même pris les armes. Je ne voudrais pas qu'il continue à s'hasarder sur ces terrains-là. Parce que s'il est américain, je parle au conditionnel, s'il est américain, il ne faudrait pas venir embraser le Congo avec un discours séparatiste. Teinté de beaucoup de discrimination. Le bon américain, il combo tchaniazala. On est la nationalité. Maman, si tu faut ma tata na ou maman na yo, pas à ba congolais. 100%. Non, loi et lobby bongote. Loi et lobby, pour na cause à la congolais d'origine, il faut botama, soit na papa, soit na maman congolais. J'ai eu l'occasion de visiter hôpital, maternité Oyo. Président Moïse Katumbi Botama, Nakashoboué. C'est un Congolais. Ce qu'il a fait comme investissement au Congo, Tchani ne l'a pas fait. L'amour qu'il a pour le Congo, Tchani ne l'a pas. Maman, ngai na monaka, président Moïse, na famille na ye, nakatanga. Ye na bana na ye, nakatanga. Na Lubumbashi précisément. Na mona ye na mwasi na ye, na bana, Nakashoboué, dans son village où il a construit. Où il fait énormément des investissements à intérêt communautaire. Maman, te Ndeko Tchani, discours où il a tenu, et ça discours où il a mis la Congo, avancement à mon côté. Mboka Eza na guerre, le président de la République venait de décréter pour 2 provinces état de siège. Nous devons aller vers un discours constructif. Token de verre, discours où ils ont fait avancer nation. Mais bah, discours séparatiste pour mettre le chef de l'État en difficulté face à la population et qu'au servir ni chef ni Moko Tchani. Parce que la conséquence est toujours incalculable. Vous avez appris ou bien Botanga ou bien Bomona, en réalité, il y a concept ivoirité dans la Côte d'Ivoire. On ouvre une brèche aux conséquences incalculables. J'en appelle à M. Tchani, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Na ebiété, mais je pense que na canal Nabino, na kosenga na ye, atika ba initiative wana parce que ba conséquence na ngoza incalculable. Même na assemblée, même na sénat. Aza déjà na point de kozula zo zo maloba, aza déjà na appui alobi aza na quelques députés nationalistes pour y aza libanda masolo. Bazo porter déjà. Il n'y a pas de problème.
initiative en niveau les grands décideurs dans ce pays, c'est le peuple. Loi on est collégaté. Soyez-en sûrs. D'ailleurs, je ne pense même pas que Eko en phase, il y a matérialisation en haut. Je ne crois pas. On va observer, mais c'est aussi la responsabilité du chef de l'État. Parce que Azana, CEPRE, il y a pouvoir, il y a commandement. Il peut arrêter cette initiative pour perdurer la paix, la cohésion et l'unité nationale. Parce qu'un tel discours, une telle démarche va fissurer le pays et qu'au Kabola tellement bas congolais, je reviens encore, les conséquences risquent d'être incalculables. Ndeko John, Maman Sylvie, autour de toutes nos questions, relations entre le président actuel et le président de l'Assemblée, pour nous avoir dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Moïse a mon anité. Mais na baba qui ou ba yambani, moi na na papa ba yambani, a mon anité. Ya on a dit que Moïse a zobé ta double jeu. Parce que tout le monde a dit, tout ma question. Voilà. Je préfère, je ne suis pas habilité à donner l'agenda du président du parti, mais je peux dire que le président n'était pas Lubumbashi. Bah, tu vas avoir une affaire. Tu es bien Lubumbashi. Non. Je suis un responsable et ensemble pour la République. Le président n'était pas à Lubumbashi. Je vous parle en tant que responsable. Mais pas non plus en dehors du pays. Peut-être même en dehors du pays. Je ne peux pas. Je ne peux pas donner les détails sur le mouvement du président. Mais il n'était pas à Lubumbashi. S'il était là, peut-être que Balingé Bamonana. Parce qu'ils sont des frères. Jusqu'à preuve du contraire. À moins que Bangomi Balebaye Bisabi, ceux qui ont cessé d'être frères. Je ne vois pas Ndeko Zulu à côté. Na amitié, na fraternité, bangoni balé bazanango, pour éviter cela que Bakaboni. Ndeko John, ce qui balobi que avant à la candidat présente de la République, faut botama na tata na maman congolais. Où est le problème? Où est le problème? C'est quoi embraser pays? Mais d'abord, c'est une loi discriminatoire. Parce que la Constitution dit, pour na boza la congolais d'origine, il faut naître de père ou de mère. Papa Nabiso Kengo Adondo. Il a été candidat. Ndeko Nabiso Ada Bobole. Il a été candidat. Pourquoi soulever une telle problématique dans le contexte Oyo alors que le pays doit plus travailler dans le cadre de l'unité, dans le cadre de la cohésion nationale? C'est pour cela que Naibisi Ndeko Tchani a tiqué à démarche Wana parce que les conséquences sont incalculable. Moïse Katumbi est congolais. Soit on est congolais, soit on ne l'est pas. Maman Sylvie, non Maman Sylvie. Ba interview na kala kala. Oh moi papa nanga uta ki juif. Maman nanga ce que. Maman, je voudrais dire quelque chose. Sokotali, on le dit que papa naï aza juif. Je reste dans la logique wana, mais quand je fais appel à ma petite connaissance, papa juif. Papa juif. Moi, je suis un papa. Moi, je suis un maman. Ceux qui ont été juifs, ils sont automatiquement juifs. Mais ceux qui ont été juifs, les enfants ne sont pas juifs. Moïse Katumbi est congolais. Sa maman, je vous ai dit que je visitais la maternité où Moïse Katumbi a été. Mais maman est zambienne. Même. Tout ce qui est tout droit au but, on est conjoint. Il y a moins de maman, ça sent bien. C'est vrai. Tout ça, là, on a vu une émission. Mais tout ça, là, tout qu'on s'écarte dans l'essentialité. Parce que. Non, vous ouvrez des brèches, ou même binomogo, vous en avez un élément concret. Justement, il y a mon Dieu. Moi, je suis. Non, mais c'est ça que je vous dis. Moïse Katumbi est congolais à part entière. Je vous ai dit que j'ai eu l'occasion à vous visiter même maternité Oyo, à Botama, Nakashobo. Donc, Ndeko Tchani, Atika Kongona Kimia, Atika Mwana Mboga Moïse Katumbi, c'est un Congolais aimé de tous les Congolais.
Maman, ils ont dérangé Bino Pounani. Pourquoi vous avez visé alors que depuis que loi a un caractère moins impersonnel. Mais Bino Boulati, on se bat à papa et maman congolais. Oh, Atika Moïse Katumbi, tranquille. Pourquoi vous s'approprier dans ma rambouille de Noël? Maman, on a une loi, ça la gagne aussi par rapport aux opportunités. Quelle est l'opportunité de cette loi en ce moment si précis? Je pense que pour nous, la meilleure façon d'aider le président de la République, c'est de l'aider à consolider la paix, à améliorer le social des Congolais et à faire développer le pays. Quand on est chef de l'État, il n'y a qu'une chose qui peut facilement vous permettre d'être réélu, c'est le bilan. À aider chef de l'État à étoffer davantage bilan pour qu'en 2023. J'ai son collégial. Deux premières années, ils ont FCC, la cash. Oh, trois, ils ont ensemble. Maman, INC, maman, FBC. Maman, ce qui est dans le gouvernement Oyo, il y a Union Sacrée. Et ça pour qu'on apporte le meilleur de nous et faire avancer Mboka. Donc, tu as dit que bilanté parce que tu as dit que l'élément où il y a ensemble pour la République, tu tiens à disposition chef de l'État dans le gouvernement, ce sont les meilleurs. Ils vont apporter les meilleurs d'eux, beaucoup qui vont avancer. Et le chef de l'État, tout dépendra de la façon dont on va utiliser les uns comme les autres. Mais nous croyons que son bilan sera un bilan luisant et vous permettrait à présenter en 2023 et à solliciter suffrage. Ndeko John, proposition à Elukate, de Kochani à Tika Mambouana pour nous Luka Kimia. Mais Bino Bobandi Kosala Nini pour nous contraindre justement votre Wana Elukate. Parce qu'il y a déjà un député qui a été au Hollande. Bino Siko. Malgré sa députée. D'abord, on a des réseaux sociaux. C'est vrai, on a eu mon groupe à l'objet, on a des réseaux sociaux. Mais je n'accorde pas beaucoup d'importance. Je sais qu'à un certain moment, je sais qu'à un certain moment, à Rokata, ce qui est mort à Rokata, il y a un lobby. On attendra aussi la position du chef. Parce que Yende a un sceptre, il y a commandement. Une telle initiative, une proposition de loi, doit normalement et qu'il n'y a pas de gouvernement pour avoir l'avis du gouvernement. Nous avons nos ministres dans le gouvernement. Non, nous avons nos ministres. Mais nous ne les cachons pas, maman. Tous les ministres, nous avons une loi où ce qui est l'équipe et franchir l'étape, c'est une loi discriminatoire qui vise un individu. Mon président, Moïse Katumbi. Nos ministres vont faire opposition par rapport à cette loi. Ce qui, tout le monde qui est ministre Nabisso, basa minoritaire, nous tirerons les conséquences d'une telle démarche. Parce que nous sommes une formation politique. Nous avons répondu au chef de l'État pour le soutenir. La mandature n'a a réussi. Et nous ne pouvons pas accepter basa Nabisso Mabe. Surtout que nous avons la zone de Mayangote parce qu'ils sont frères. Maman Sylvie, d'ailleurs, est-ce que Koutou, Moïse Katumbi a l'obligé à vous à la candidat en 2023? C'est aussi un élément. Tout ce que nous avons reçu comme instruction du président, tout implanté parti. Échéance à venir. Maman, échéance à venir, on en parlera au moment opportun. Maman, on ne dirige pas, on ne participe pas dans un jeu politique seulement quand on est président. On peut participer en ayant la majorité parlementaire. Si au moment opportun, Moïse Katumbi voit qu'il est dans les prédispositions, je parle au conditionnel, voit qu'il est... prédisposition et que parti est porté candidat, il sera notre candidat. Mais... nous ne sommes pas encore là. Pour le moment, maman Sylvie, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est d'implanter le parti dans le coin et recoin de la République. Que nous soyons, si possible, le premier parti le mieux implanté du pays. Ça sera notre honneur
mais ça sous bas ça déjà avant Bino Bino Boya après non le, maman non 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 bon, on peut vrai non non cadre maman position. On ne value un parti que dans un contexte bah au bas ça yango Babimaka premier n'a une période bien définie bien donnée dans un contexte précis Bisso Lelo avec la dynamique politique Tozo qu'on se battre pour être le premier ne nous l'empêchez pas. Le problème est que ah oui. Si tu imagines dans le scénario, oui. Hein? Il y a un CRC, sous-marin, et l'eau est l'équipe. Imaginez un scénario, suite à Rosalani. Je ne voudrais pas anticiper pour ce qui ne se fera pas. Okay. C'est un scénario. Quand j'essaie, si on attend en termes de probabilité, je donne une probabilité zéro. Parce que cette démarche, je vous dis, elle a suicidé pour le pays. Nous avons vu ce que le concept ivoirité a fait en Côte d'Ivoire. Maman Sylvie. Ils ont suicidé pour le pays, tous ont suicidé pour un individu. Non, non, pour le pays. Pourquoi je dis pour le pays? Moïse Katumbi a mis en place un parti politique et il est apprécié des millions de Congolais qui voudraient à un certain moment, bah, on n'avait pas exprimé peut-être l'ambition. Peut-être l'ambition. Mais imaginez un peu, par une loi proposée par un individu, une loi discriminatoire, vous empêchez à des millions de Congolais de voir l'homme sur qui ils portent leur espoir à la candidat. Papa, tu considères que ce que Tchani fait, Ezali, peut-être une façon de dire au président, président, je peux prendre certaines initiatives pour votre pérennisation au pouvoir. Mais les conséquences peuvent être incalculables. Nous avons vu des gens sous Mobutu. Nous avons vu dans les passés, dans un passé récent, oh, bah, travailler na président Kabila. Il y a des gens qui envoient des chefs à l'erreur, qui poussent les chefs à prendre des lois extrêmes. Mais quand il y a des conséquences, s'il est américain et que lobby a porté une loi pareille, bah, conséquence, est, je pense qu'il prendra son avion et il partira. Mais Ngaï, Nayo, Ndekozulu, Nandeko Moïse Katumbi, qui est congolais. Ouais, bon, qui a tout... la maternité à Kachobu. Il y a Kachobu. Parce que j'ai visité. Donc, le la maternité, on a vu à Botami, à Kachobu. Non. J'ouvre Oyo, beaucoup d'occasions, au commun à Kachobu. Vous allez voir comment même lui-même se sent chez lui quand il est à Kachobu. Il ne fait pas un mois sans arriver dans son village. Il a construit une très belle maison parce qu'il a voulu être avec ses frères, place à Botama, à Mema. Un petit confort, place à Botama, pour Azarawana régulièrement. C'est un fils de Kachobu. Voilà, ça, voilà, c'est un faux besoin de politique, parce qu'il n'est pas le seul. Nazem n'est pas congolais d'origine. Vous pensez que tout ce que Moïse fait, il le fait pour la politique? Il a été opérateur économique avant de faire la politique. Il a donné du travail aux Congolais avant de faire la politique. Il soutenait Mazembe, l'encadrement de la jeunesse. Il n'était pas politique. Maman, ne marions pas tout à l'intérêt politique. Nous, ce Zalarana dividende politique. Pourquoi? Parce que tu as battu. Ne pensez pas que ceux qui n'ont pas bimi à Obio, bimi à Oa. Parce que là, on a vu qu'en 2018, tu as regretté. Parce que souci, Ezaki a un candidat à mon écarté. Et bien, il y a un passeport italien. Maman, ne parlons même pas de l'histoire du passeport italien. Non, il faut tout le bango parce que passeport... L'actuel, ne parlons même pas de cette histoire parce que ça a été clos. Par qui? Par l'actuel ministre de la Justice français, Moretti, qui était le ministre en son temps, qui était l'avocat à Moïse Katumbi. Mais il a demandé à l'Italie si Moïse avait des origines italiennes ou s'il avait un passeport italien. Mais Toye Bibisonioso, réponse, il y a gouvernement italien, service d'état civil il y a italien. On a dit que Moïse n'était pas italien. Donc, bah, dossier où to clore yango, to avancer vers la cohésion nationale, vers l'unité nationale, parce que Mbogao to kotongango na unité, to kotongango na ba discours séparatiste était. To kabwani déjà mingi. Je connais la propension du Congolais à se diviser à la première occasion. Évitons des sujets qui fâchent. Allons vers la construction de la nation. On n'est pas encore arrivé en 2023. Mais pourquoi cette précipitation, Ndeko John, Yamakama Congolité? Parce que Yolobi que Moïse
nana lobite kaza candidat mais biso peuple te bi que Moïse a candidat en 2023 c'est ça la réalité malgré yo bomba a osané kana en 2023 na limité pe baningi te mutolo bakaza candidat c'est ça aussi le problème il faut jouer kadiocha. Alors pourquoi cette précipitation il y a Noël Tchani parce que toi non en 2020 ngana ebi démarche à monsieur Tchani. Je vous ai dit que c'est quelqu'un que je connais pas. J'ai jamais eu un discours naïe. Mais initiative pour plaire au chef. Il y a plusieurs façons de demander même un poste au chef, c'est de lui faire plaisir. Pour y passer la baisse comme un gouverneur à banque centrale. Je ne connais pas ses ambitions. S'il a les ambitions de devenir gouverneur de la banque centrale, c'est légitime. S'il est congolais, c'est légitime. Je suis économiste de formation, il est économiste. Je pense que c'est légitime. Ce sont des droits légitimes. Mais il ne faut pas tuer quelqu'un et aller chez le chef dire Nabomelio Moutiboué Pissanga poste. Tu n'auras pas servi le chef. Tu auras desservi le chef. Ndeko John, Kolandi Samana ba fonction na yo. Ndenge Mama Sidza présenté qui est coordonnateur adjoint en charge de l'organisation politique na société civile. Kota la paix démarche à Ndeko Noël Tchani, Aza. Soutenir chef de l'État, mais c'est politique. Est-ce que partant dans la fonction, aussi aux 8 ans, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de Mama, personnellement, je suis un monsieur Tchanité. Et c'est difficile de nos jours de discuter avec des extrémistes. Excusez-moi, je ne fais pas de la caricature. Mais il y a des gens qui s'acharnent sur un point de vue, alors qu'il y a des conséquences, c'est difficile de prendre langue dans les gens. Mais non, nous avons des contacts. Nous avons des contacts avec. Nous avons des contacts avec des partis politiques. Nous avons des contacts poussés, très avancés. La société civile, je salue l'initiative et l'action de Akaj qui a pris position pour montrer à M. Tchani la conséquence si elle Kouana est incalculable. Je soutiens et j'encourage, je félicite Georges Kapiamba qui est monté au créneau pour faire passer la voix à Akaj et demander à M. Tchani d'arrêter avec... ces discours séparatistes aux conséquences incalculables. Ndeko John, nga na rappelé moi mukie pour na blander un peu moi mukie na parcours politique na. Ah bon? Ozala ki pembe ni ambassadeur Katumba manqué, manqué un grand stratège. J'étais son assistant. Assistant, yo moko compléter ango. Na mona au pembe na ambassadeur Antoine Gonda. J'étais son assistant. Na mona au pembe ni Olivier Kamita tout. J'étais son conseiller au ministère du Plan en charge de la question de l'aide. Nakata babilo koana donc ozala ki un peu na na moi le colopé na ma o était de diplomatie le lopé comme par hasard ensemble ya bino bozali na ministère des affaires étrangères dirigé par motopa mayele honorable Lutundula Christophe nanito font la moi parenthèse à makambo eleki to baba propos ya président Paul Kagame. Yo en tant que moto ozala moi ba notion ki a diplomatie ba propos yo président Paul Kagame à tenir vis-à-vis ya mboka na biso na o etali ke ye sur la zone dima 800 000 peut-être morts ya Rwanda mais ba millions de morts ya ba congolais ya zone dimango tu sais qu'il n'y a jamais génocide rapidement commentaire na yo d'abord na présenté pe ma félicitations nanga et pas grand frère Lutundo là qui a été promu comme ministre des Affaires étrangères. Par rapport il y a président Kagame, mais je pense que c'était des mots de trop. On ne peut pas cracher sur les morts qu'il y a eu au Congo. Parce que hier à Kundimaté 5 ans 10 ans après qu'on crache sur les génocides qu'il y a eu au Rwanda. Et je ne peux pas accepter qu'il crache sur nos morts. J'ai apprécié, j'ai même vu les responsables, certains responsables de l'UDPS tweeter pour dire que ce que le président Kagame a fait, il ne devait pas le faire. Mais le Tundou l'a vendigné, il est ministre des Affaires étrangères. Atikiangwe le Kagame. Je vous ai dit que le ministre Lutundou là ne relève plus du parti. Il relève du gouvernement, d'un premier ministre et d'un président de la République. Donc,
ne nous imputez pas la gestion de nos ministres qui se retrouvent, de nos membres du parti qui se retrouvent au gouvernement. Peut-être qu'il y a l'inimorosa édictée d'un niveau au gouvernement que je ne connais pas. Je ne peux pas me prononcer sur des sujets où on en a évité. Mais tout ce que je sais, c'est que le président Kagame a fait une déclaration de trop. Il a craché sur le mort congolais et ça, c'est inacceptable. Personne ne peut accepter ça. Il a craché sur tout le Congolais et sur nos morts. Et même plus grave, il a craché sur le prix Nobel, Mukwege. Non. Albert Mutabi Lobela. Non. Mukwege, alors que le docteur, Mukwege, c'est l'une des icônes de ce pays en termes de valeur, en termes d'éthique. Le docteur Mukwege, c'est l'une des vitrines les plus belles du Congo. On peut sortir à l'étranger et dire avec toute fierté, Naza Congolais, j'appartiens Yamboka Yamukwege. Et je ne peux pas accepter que quelqu'un qui vient de l'extérieur pour cracher sur les efforts, sur l'abnégation, sur les sacrifices qu'un médecin qui n'a fait que obéir au serment d'Hippocrate a réalisé dans son pays. Alors, Ndeko John, est-ce que Magamezo Gana est-ce que c'est COP, tout est là qui est sur le pot, tout le monde a décrété état de siège. Non, mais je ne dirais pas que Zalaki Kop, parce que je ne voudrais pas m'aventurer sur un terrain sécuritaire, mais le chef de l'État a un tableau. Je pense qu'il gère le pays avec tableau de bord. Oyo, Azozoa ba information de part et d'autre. C'est l'homme le plus ou le mieux informé du pays. S'il a décidé de décréter un état de siège pour ces deux provinces, nous attendons résultats, mais comme tu dis qu'il y a déjà avancé, important, substantiel, nous saluons et nous voulons que Wandegonabiso et Akouenwana connaître Pekimia, Vakepena occupation na Bango, mener une vie normale au Kolabiso. Parce que conséquence Nangozanini, tant qu'il y a la guerre là-bas, Kinshasa ne fera que se remplir. Et Misala et Miket Ozanangoyo, Toko Kabolangona Bandekonabiso, Obago Takuna Bagokima guerre. Alors que si on ramène la paix, les activités à caractère de développement, à caractère social, à caractère économique, et qu'on répondre Nabambo Kawana. Et qui sait, peut-être même que Bissot Rolongwa ou Poto Kendego travaille, Kuna Tokendego s'installer. Alors, mais Kagame, au sorti de l'audience, et oui. Pas chef de l'État à Paris, il a dit, Namikwa Jiska Kusema, qu'il soutient état de siège. Mais sur France 24, Azo Nieba mort, il joue à quel jeu? Je ne voudrais pas, je vous ai dit. Ma déclaration est à président Kagame, mais je voudrais mettre ça dans la rubrique, je ne dirais pas des champs écrasés, parce que certains peut-être ne les comprendront pas bien, mais Rengo Tchango, il y a un mot de trop. Pour moi, ce sont des déclarations de trop. Mais c'est tout à fait aussi normal, en tant que président d'un pays, c'est lui qui engage la diplomatie, la plus haute diplomatie de son pays. Il ne peut pas accepter de se retrouver sur le banc des accusés et endosser au Nyonso. Donc il a voulu se défendre, mais malheureusement, défense Nae, c'est aller à des mots un peu de trop, à des déclarations exagérées, et voilà. Ndeko John, au Lobaki, vous n'êtes pas chef de l'État, le projet Nabino, la proposition Nabino, le cahier des charges, vous l'avez dit, le paix social, tout ça, les loyaux, tout ça, dans l'état de siège, les loyaux, dans le Congo, dans le pain et la paix. Au bandit que ça la nini et par rapport à l'état des sièges, réaction à mes endroits ni pour tala au niveau ces zones-là. Non, mais d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, président de la République Azana, information que les Kabiso, s'il a décrété l'état de siège, ne causez pas confirmé en gros qu'il a avancé par rapport à l'état des sièges. Ouana, généraux Oyobache, na ba province, ce sont des gens expérimentés qui connaissent leur métier. Donc, il y a des avancées, nous saluons. Nous ne sommes pas de l'opposition, nous sommes de l'Union sacrée. Donc, nous faisons partie du gouvernement. Nous saluons ce que le chef de l'État fait, tout ce qui va dans le sens de la paix. Mais nous croyons qu'il y a un lien entre paix et pain. Parce que ceux qui paient, on a lobby tout à l'heure, ceux qui paient et ont dit totalement n'a pas zone à problème, n'a pas zone à haute insécurité. Je pense que même investisseurs,
na ba ville wana na ba province wana pour apporter de l'investissement qui va créer du travail, le travail qui va générer les revenus, le revenu qui va permettre à ce que le panier de la ménagère est à la remplie. Mais tant au lobby ramba lipa, il y a question moi elinga ba mo série moro boy à l'époque Chairman Moïse Razeli Banda nzala moro ya ya bunga ikota ikote ya Katanga. Tu aurais quelqu'un qui a 3 millions de sacs. Hein? Il y a 3 millions de tonnes. 3 millions de sacs, on dirait, il y a Massangu hein, pour soutenir moi, Mouké, Nani, Mzalao, et qui est un gros côté. Il y a un peu de temps, il y a un peu de quelque chose. Pour le lot, il y a un peu de pastèque na bilangana ye. Maman, il y a un peu de temps. C'est quoi par rapport à peine à peine wana maman ils a ma solo te y a salaka parce que tu es bien qu'il y a za philanthrope donc il y a sunga sunga hein ce n'est pas parce qu'il a l'argent qu'il aime les gens biso ko te j'ai bien pian ndem te immortalisé mais ba miracle on dira ça la ressource non il faut arriver sur le Katanga et vous poser question monsieur Moïse Katumbi à l'une des plus grandes minoteries. Il y a Katanga. C'est quoi comme ça implanté partout? Non. Il y a peu ma sangouate. Non. Aza na programme. Ok. Mais c'est vrai, Olobi a dans la moyen. Mais moi, je n'aime pas qu'on parle de ses moyens parce que c'est quelqu'un que Dieu a béni par le travail. Et ma solo, Obiso to solo la ganae. Et ça, ma solo, c'est. Mais il n'y a pas que Congolais peut amatisser Ming par rapport à Ndenga Sungel Rabat. Non. C'est un grand philanthrope. Voilà. Le peu qu'il a, ça je sais, je peux le témoigner, il partage avec tout le monde. Le peu qu'il a. Et il est un grand altruiste, Aïda Rabatou, Sogagogi Koede. C'est vraiment un philanthrope, c'est quelqu'un, un grand mécène, c'est quelqu'un qui aide les gens. Mais, comme je vous ai dit, il a mis sur pied une grande minoterie dans le Katanga, pour Naba Farine, pour Naba Maïs. J'ai visité ça. Je peux vous confirmer que. Naïebi programme, on est dans un domaine, il y a des affaires privées, Naïe. Naïebi calendrier naïete, naïebi agenda naïete, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a réalisé une grande minoterie dans le Katanga, et au-delà de ça, il s'est lancé dans l'agriculture. Non, quand vous regardez le maïs qu'il fait à perte de vue, maman Sylvie, Sorokoti Nakati Bungé. Pourquoi il veut à tout prix pour diriger le pays démocratique du Congo? Pourquoi pas Nabiso, c'est le meilleur gouverneur que la RDC n'a jamais connu. Tout à la boue, colleuse et coma, qui toque, sans Moïse. Au moins, il va savoir quoi ça, Biso. Pourquoi il veut tout. Nous, tous les acteurs dirigés Congo pour l'année. Après ça, nous avons un Mazembe, un philanthropique, un Souki, un Souki, un Souki, un dirigé Congo pour l'année. Il n'y a pas d'incompatibilité de faire la politique et d'être philanthrope. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il est philanthrope, il est politique. Et en tant que politique, il peut aspirer à briguer pour ce qu'il y a Monique à la compétence, à la coquille ou à l'ambition. Pour qu'on empêche à un côté. Mais, à ce que je sache, il ne s'est pas prononcé. Ce n'est pas le moment. On connaît les joueurs de leur jeu. Ce n'est pas le moment. Pour la sonité, Moïse sera candidat en 2023. Pour la sonité, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Ndeko Jules. Les instructions que nous avons reçues du président hein. Pour implanter parti, adhésion et salama. Le reste, on le verra au moment opportun. S'il sera candidat, il sera sûrement porté par le parti et lui-même va afficher les ambitions. Mais jusque-là, c'est très tôt parce que Tokoumina Nouanate, il est mort par le bilokoté. Et monsieur Komina Nouanasouka, hein? Il est mort par le bilokoté. Noël Chani parce que lui. Et le roi, mais il y a des conséquences incalculables. Message Nagogi Kopé, ça, de Konanga Chani, et ça, pensez Moko, Naretena, na Premier ministre, feu Premier ministre Ahmed Bakayoko, si aujourd'hui est un acquis, si aujourd'hui est acquis, demain n'est pas garanti. C'est-à-dire? Si aujourd'hui est acquis, demain n'est pas garanti. Aza mouto maele ya makasi, atangi makasi, il va scruter mon message, il comprendra le fond de ma pensée.
matondi mingi mena kantsambala sima soko ye o matsamwa ningala mkea po emission salam pa na frangala. Non mama Sylvie. Oza kinwa et ça bien. Na ngai vina po bana kinbala ndo kwanti kwa. Vina ngani oso na legisi yango na kin to yebani. Tukuta na galaba kwa na biso ya Kinshasa. Merci beaucoup. Biso na maleo apena to capitaine on passe 505 te mais bon. Message leki quand même. Matondi de Kojon Mbongi Kanzi. Merci beaucoup. Oyo Ozali Bongo, coordonnateur provincial adjoint, l'ensemble pour la République, mingi mingi ozo gérer ba relation avec les partis politiques et la société civile. Matondi ndongo ko sola na biso to sepela sto yamba ona mikolezeli koya po pesa biso ba sangwa parti na bino. Pourquoi pas honorable Francis Kalombo, pourquoi pas Daniel Safou, pourquoi pas sénatrice Sona Kamite to poto e barandengeni moto ya parti à Moïse Katumbezo mata na Kinshasa. Matondi na mlo ba bonso bolandi biso pe to kutana na mikolo mizali koya suki nzamba sungi. Ngo avenir. Mboka ya bakongo.